Nubara, Duke Nutempi, Watanini Chuck Yumi, Just Maxine, Sensei Kiryu, Warsa Kimara. Et bonjour à tous, c'est Yudi, et aujourd'hui on se retrouve dans un épisode de Vie Citadine. Comme vous aurez pu le voir dans la petite intro que j'ai fait au début, Ina et Samuel ont déménagé. Donc on n'habite plus du coup dans le quartier des épices, on habite dans le quartier des arts. Donc je pense que c'est plus cohérent avec ce que fait Ina, son projet de carrière, etc. Puisque elle, bien sûr, son rêve c'est de pouvoir vivre de sa peinture. Bon, maintenant elle y arrive, hein. Elle commence à y arriver. Mais je veux dire, c'est vraiment un rêve pour elle de percer dans la peinture, et du coup c'est pour ça que le quartier des arts me paraît le plus approprié pour l'instant. Donc ça c'est un petit peu d'appartement, je sais plus du tout dans quel building on est, je sais plus tout. Ah, on est au 920 Studio Medina, donc voilà, si ça parle à quelqu'un. Moi ça ne me parle pas du tout, mais bref. Donc du coup j'ai un petit peu relooké l'appartement, j'ai gardé les... Attendez, je vais vous mettre tous les éclairages. Tac. Donc j'ai un peu modifié, j'ai fait une cuisine. Donc l'appartement est quand même assez différent de celui qu'on avait au quartier des épices. Il fait quand même beaucoup plus moderne. Et donc, non, tu ne vas pas te servir, tu vas peut-être réveiller Samuel, c'est sympa. Donc ici du coup, on a une grande pièce à vivre en fait, avec ici la chambre d'Ina qui sert aussi d'atelier, et la chambre de Samuel que j'ai fait un peu à... ne pas le réveiller. Bon, bah, il va se réveiller tout seul. C'est parti, mince. Prends une portion. Je sais jamais lequel c'est prendre une portion. Donc on a du coup, voilà, donc la chambre d'Ina. Alors excusez-moi s'il y a des choses qui sont pas exactement comme vous aurez pu les voir dans les petites vidéos, parce qu'en fait j'ai un petit problème entre temps. Ils m'ont dit que en gros le jeu Les Sims 4 a cessé de fonctionner. Donc bon, peut-être qu'il y a des choses que j'avais posées qui n'y sont plus. En tout cas l'appartement va évoluer pas mal, parce que quand j'ai fini la décoration, en fait on n'avait plus d'argent. Et entre temps Ina a peint un chef-d'œuvre, du coup on a pu le vendre et on a pu avoir de l'argent. Et donc une petite salle de bain aussi vachement colorée, qui est grave mignonne je trouve. J'aime beaucoup les petits éléphants et tout, je trouve ça trop chou. Donc voilà, on a fait une petite crémaillère comme d'habitude, hein, parce qu'on a changé d'appartement, donc on a invité la famille, tout ça. Et du coup, on a invité notre ami à Chaya, et on a appris qu'il avait trouvé un job de vendeur dans une boulangerie, qui est à Windenburg. Du coup, on ira peut-être jeter un coup d'œil dans cet épisode ou dans l'épisode suivant, je sais pas trop. Mais du coup ça peut être pas trop mal d'aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Donc Ina, ce qu'elle peut faire c'est mettre dans un sac en papier pour le déjeuner, comme ça Samuel aura à manger vu qu'on est lundi et qu'il va à l'école. Voilà. Donc top, Samuel, si tu pouvais faire la vaisselle ce serait gentil. Ah oui, aussi, j'ai eu pas mal de nouveaux packs etc. puisqu'on a eu les soldes il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire le pack être parent. Le kit bowling, accessoires vintage et le pack vampire. Du coup voilà, il va y avoir pas mal de nouveautés, comme par exemple l'éducation, tout ça, pour Samuel. Où tu vas Samuel? Ah non, mise pack, j'ai pas mis de poubelle. J'ai pas mis de poubelle. Ça c'est moi tout craché, de ne pas mettre de poubelle. On adore. Petite poubelle noire. Allez, on va rester dans le sub pour l'instant. Non, vous voyez, l'appartement est quand même pas mal plus sobre, même s'il y a toujours des petites touches personnelles. Donc, Ina ne travaille pas aujourd'hui, on va en profiter pour faire quelques toiles, et pourquoi pas du coup se promener, justement aller voir où est-ce qu'Ayasha, Ashaya travaille. J'ai jamais réussi avec son prénom. Hop, mettre dans l'inventaire. Comme ça, quand tu seras à l'école... Où t'es passé, toi? Il est là.
Qu'est-ce que tu fais, Samuel? Reviens, Samuel! D'accord, Samuel, c'est pas grave. On t'en veut pas, surtout qu'il y avait une poubelle ici, mais bon. On dirait qu'il a ramassé toutes les ordures de dehors, c'est pas grave. Comme ça, ça lui fait gagner en responsabilité, parce qu'il avait un petit peu perdu. Et du coup, il va prendre son petit sac à déjeuner, et il va sûrement bientôt aller à l'école, dans 13 minutes. T'as pas fini tes devoirs, Samuel? Puis je croyais vraiment qu'il les avait, que je les avais fait faire. Bon, c'est bon, la vaisselle. Voilà. Tac, le déjeuner. Et voilà. Du coup, Samuel part à l'école. Il avait laissé un petit mot pour sa maman. Pour pouvoir lire le mot. Je sais pas du tout ce que ça fait. Mot gentil. Oh, trop mignon. Du coup, ce qui peut être... Alors, concernant Ina, je trouve que... en fait, j'ai envie de changer un peu son style. Donc, je sais pas si je ferai ça. Je pense à... Dans le prochain épisode, on fera sûrement ça. Mais du coup, Samuel, lui, il va travailler et il va réviser assidûment à l'école parce qu'il faut qu'il ait un A. Et du coup, Ina, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va peut-être peindre une petite toile. Tranquillement. Et après, du coup, on va peut-être bouger un peu. On va voir où est-ce qu'on va. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. J'avais jamais vu cette toile. C'est un chat avec des grands yeux. C'est plutôt marrant. Hop là. Comme un fou, comme un soldat, nous avons trouvé une lettre d'amour de Samuel à son instituteur dans son bureau. Rien d'osé, mais nous avons pensé qu'il valait mieux vous prévenir. Une lettre d'amour de Samuel à son instituteur. Pardon. De Samuel à son instituteur. Dans son bureau. Rien d'osé, mais nous avons pensé que... Mais pourquoi il aurait de gros ennuis? Je pense qu'il faut qu'Ina, elle apprenne l'éducation parce que du coup, vu qu'elle n'a pas un grand niveau, je pense que quand on n'a pas un grand niveau, on fait peut-être un peu n'importe quoi. Enfin, on n'a pas le choix en fait pour tout ce qui est... J'ai pas de choix, je sais pas si c'est tout le temps comme ça ou quoi. Web... Surfer sur des forums d'éducation, tiens, on va faire ça. L'ignorer. Je voudrais pas faire de bêtises en fait avec Samuel. Je sais pas ce que ça fait de gagner des points en éducation. Tu peux continuer s'il te plaît. Ina. Alors Ina peut désormais inciter les enfants à faire leurs devoirs. Elle peut maintenant dire fermement à ses enfants de ne pas avoir de mauvais comportements. Elle peut aussi sélectionner plus d'options lorsqu'elle réagit à un moment d'éducation. Ah voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'avait pas beaucoup d'options. D'ailleurs, il faudrait qu'on achète une bibliothèque. Donc je vous préviens, ça va se meubler petit à petit parce que comme je vous dis, j'avais plus d'argent en fait au bout d'un moment. Et du coup, voilà. Je me... Après, c'est pas hyper grave hein, non plus de pas tout avoir directement, mais... Du coup voilà, on va meubler petit à petit, ça va bien se passer. J'aime bien cette petite bibliothèque, je trouve elle est mignonne. Ça va bien avec la petite déco, on mettra un tapis peut-être. J'ai pas énormément d'idées en ce moment, je vous avoue. Peut-être un tapis gris comme ça. Ouais, c'est sympa. Allez, on fait ça. Voilà. Ça, on a un beau petit salon. Est-ce qu'on peut acheter des livres justement sur l'éducation? Dans compétences, éducation, ah voilà, volume 1, volume 2, volume 3. Ok, on vient de dépenser tout notre argent là-dedans, mais c'est pas grave. Bon, à côté, aujourd'hui, on va étudier l'éducation, en fait, on va peut-être pas bouger.
On va voir un peu. Samuel est rentré à la maison, un projet scolaire, blablabla, ok. Prends un bain de mousse, oui, vas-y Samuel, fais-toi plaisir. T'as pas mangé ton... Oh non, je suis choquée, il a pas mangé son sandwich. On est dans le frigo. Elle s'en fout, Ina, elle veut te peindre. Ah, c'est écrit quoi, attendez. L'école est finie pour aujourd'hui, l'établissement, école élémentaire pleine aux as, est rempli d'élèves ayant un B de moyenne. D'accord, c'est pas ça que vous voulez dire. Projet scolaire, voilà. Terminer ce projet, il lui permettra de progresser à l'école, une progression supplémentaire lui sera accordée s'il termine le projet rapidement. Bah du coup, ce qu'on peut faire, c'est que on peut le faire avec Ina, non? Ah non. Bon, bah écoutez, il va commencer à travailler soigneusement. Ok, alors visiblement, ça va être un truc spatial. Est-ce que Ina peut l'aider ou pas? Ah oui, elle peut aider pour le projet. Tiens, Ina, tu vas aider pour le projet au lieu de peindre. Par contre, les murs de cet appartement sont vraiment extrêmement hauts. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais franchement c'est très 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 haut, genre là pour pouvoir mettre une hotte j'ai galéré. J'ai jamais encore trop regardé ici mais écoutez comme ça me fait une occasion de bien le faire avec Samuel. D'ailleurs j'ai désactivé le vieillissement pour les Sims parce que je me disais que pour la série c'était plus pratique. C'était plus pratique du coup que je les fasse vieillir quand je veux parce que je veux faire énormément de choses avec eux avant qu'ils vieillissent ou quoi. Comme ça, je peux maîtriser. Ah yes, ça avance vachement les... Et toi, tu avances la fusiologie. Ok, d'accord. Ça, on va le laisser de côté. Peindre, oui, ça, on va le laisser de côté aussi. Mais dites, c'est qu'on a fini? Une meilleure note lui a donc été attribuée. D'accord, c'est quoi la meilleure note? J'aurais dû regarder avant. Oh, mais ça va voir. Bon, bah mets-le dans ton inventaire, faudra que tu le ramènes à l'école, c'est ça? Elle va aux toilettes, Ina. Bah écoutez, ça c'est cool. Je suis contente. Du coup, Samuel, il a eu sa petite aspiration à faire. Ah oui, mince, j'avais pas pris le truc là pour... Ah, comment ça s'appelle? Vous savez, pour la table d'activité là, pour faire des potions. Le kit apprenti sorcier, d'accord. De toute façon, on va mettre ça, il va fabriquer des potions, puis après on va le revendre. Hein. Pas en fabriquer à l'infini non plus. Potion d'émotion. Tiens, fais une potion d'émotion. On passe 3, de toute façon. Et Ina. Non, Ina, tu fais pas ça. Ina, tu as préparé le repas. Ça va, le dîner. Tilapia frit à la poêle, voilà. Mettre la table avec... décontracté, bleu, on peut mettre la table. Ah, c'est trop mignon. C'est adorable. C'est adorable. Bon, écoute, crée une autre potion d'émotion, maintenant qu'on y est. Tac. Ah et du coup en fait ils mettent sur leur propre assiette. Ok. Ok ok. Bah écoutez c'est bien. C'est trop adorable. Ah on peut faire un couvre-feu.
Bon, c'est bon, pour l'instant, on met pas de couvre-feu, écoutez. Je pense que ça va plus me prendre la tête qu'autre chose, ça. Tiens, tu vas me prendre un bain. Et toi, après, t'iras dormir. Tac, on nettoie ta table. Les devoirs, Samuel n'a pas fait ses devoirs. Par contre, c'est tard, c'est 22h. Tiens, peut-être tu peux l'aider à faire ses devoirs. Oh non, elle a mis sa tenue où on voit pas ses jambes. C'est la tenue buggée. Tac, tu vas dormir. Samuel, tu vas aller aux toilettes. Et ensuite, tu vas toi aussi aller dormir. Et je vais tout remettre en éclairage automatique. Ça nous fera économiser un peu de sous. Et du coup, on se retrouve le lendemain matin. Et bonjour tout le monde! Il est l'heure de se réveiller. Pourquoi il se réveille toujours en sursaut, ce gamin? C'est pas possible. Alors, hop. Ah bon, ça c'est... C'est périmé. Tac, toi tu vas le mettre dans un sac en papier pour le déjeuner. Comme ça, Samuel pourra le prendre. Tac. Tac, Samuel a son déjeuner. Samuel va prendre sa douche. Prend sa douche. Et ensuite, il pourra aller à l'école. Donc du coup, voilà, on recommence une nouvelle journée. Je pense que je vais arrêter l'épisode ici. Parce que ça fait un petit moment que je filme déjà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, même si c'est pas passé énormément de choses. On a pu découvrir un peu le pack être parent, ce qui est assez sympa. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis au revoir. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, très bonne journée. Bye bye.